السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Revenons toujours autour de l'enseignement de Sidna Cheikh Ahmed Tidjani, et qui dit enseignement de Sidna Cheikh Abdallah Anou, dit forcément valeur cachée émanant de l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce dont tout le monde n'a pu profiter à travers les livres, à travers les discours, les disciples de Sidna Cheikh Abdallah Anhu, eux, ils ont pu l'avoir par l'amour de Sidna Cheikh Abdallah Anhu, par la tariqa et par Salat al-Fadi. Alors aujourd'hui, on va reparler du premier khalife de Sidna Cheikh Abdallah Anhu, de son vivant. Plusieurs fois, on a parlé de Sidi Muhammad ibn Arabi Tazi Damrawi Abdallah Anhu. Mais aujourd'hui, on va simplement parler d'un passage, parce que le discours, j'ai promis au frère de faire un discours de 10 minutes. Donc Sidi Arabi Abdallah Anhu, toute sa vie, tout ce qui est écrit sur lui, on ne pourra jamais l'épuiser. Mais avant de parler de Sidi Arabi Abdallah Anhu, je voudrais rappeler à tout le monde l'organisation de cette journée de Sidna Cheikh Ahmed Tidjani Abdallah Anhu, qui va se tenir le 15 janvier, Inch'Allah. Que tout le monde se prépare, parce que c'est un jour pour Sidna Cheikh Ahmed Tidjani Abdallah Anhu, pas seulement un jour pour les frères et sœurs d'Aix-en-Provence ou de Marseille-Aix ou du Sud, etc. Et Sidna Cheikh Abdallah Anhu, il est né à Aïnou Mardi, mais il est resté plus longtemps en dehors de Aïnou Mardi qu'à Aïnou Mardi. Ça, c'est un signe. Ça veut dire que là où on prépare des événements pour Sidna Cheikh Abdallah Anhu, c'est pas seulement réservé à ceux qui habitent dans cet endroit. C'est forcément réservé à la planète tout entière, même à ceux qui ne sont pas de France. Bien sûr, vous aurez l'occasion, Inch'Allah, avec les frères, pour ceux qui pourraient pas se déplacer, de le suivre sur Internet. Sidi Arabi ibn Sidi Muhammad ibn Arabi Tazi Damrawi, radiallahu anhu. J'ai voulu parler de Sidi Arabi ibn Sayyih radiallahu anhu, qui est un rabat. J'ai parlé tout à l'heure à un petit-fils de Sidna Cheikh radiallahu anhu, qui se trouve là-bas. Et je vous passe tous le salam. Alors, il s'est levé un jour. Il a vu qu'il récitait des vers. Des vers qu'il... C'était quelque chose d'extraordinaire qui lui est arrivé. Il se réveille et il commence à réciter quelque chose qu'il ne savait pas avant de dormir. Pendant son sommeil, il ne le savait pas. Mais justement, il s'est réveillé. Il était en train de réciter.
Fabil Majidi, Watahmidi, Bihi, Tetejalla, Zatuhu. Wabil Kasdi, Kanel Manouli, Wahdi. وبحقي الحق بالحق ترى حقيقته وبالحق لا بالحق احتجب عني ذندي وفي تدبير أمره أحاطت قدرته وبالقصد لا بالقصد احتجب عنهم أخذي فاغرق في بحر الوحدة ترى وحدته ترتفع عنك الحجب حتى تستر الأسود بالضد. Alors, il s'est réveillé, il était en train de réciter ses vers. Et il l'a appris nulle part. Et il ne se rappelle pas de quelqu'un qui lui a dit « Apprends ça ». Alors, ces vers sont courts, ces quatre vers. Le sens qui s'y trouvait le dépassait lui-même. Mais comme il avait la chance de voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plus de 24 fois par jour, donc, et il n'avait pas 30 ans, donc il lui a posé la question. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, va voir ton cher. Ahmed Tijani radhiyallahu anhu, il va te traduire, il va t'expliquer le sens de ces vers. وقال له صلى الله عليه وسلم أعط شرح هذه الأبيات للتيجاني va donner à Cheikh Ahmed Tijani, il va te les traduire, il va te les commenter. Et il a abordé plusieurs thèmes dans ces vers. Et parmi les thèmes abordés, il y a le thème controversé de Wihdatul Wujud. Il y en a qui sont contre le soufisme parce qu'ils disent que dans le soufisme, ils croient à cette notion de Wihdatul Wujud. Wihdatul Wujud, pour dire rapidement qu'est-ce que ça veut dire, c'est que tout est uni et tout se trouve dans l'unicité et l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde est pareil. Alors, s'il dit, Sidi Ibn Arabi, radiallahu anhu, dans ses Futuhat al-Makkiyah, vous savez, Futuhat al-Makkiyah, c'est comme une encyclopédie du soufisme. Il a écrit beaucoup de livres qui sont répertoriés et regroupés dans Futuhat al-Makkiyah. Et beaucoup de soufis se réfèrent à ses écrits aussi. Rarement tu trouves un thème dans le soufisme qui n'a pas été traité dans ce recueil. Alors, Ibn Arabi, radiallahu anhu, il était parti même jusqu'à dire que même lui, en tant que musulman, il est pareil aux juifs, il est pareil aux chrétiens, il est pareil à tout le monde. Donc ça, c'est un autre niveau. C'est vrai que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que différenciez-vous des juifs, des Ahlul Kitab. Parce que dans le Coran, ça c'est au niveau de la conviction. Ça c'est au niveau de la pratique. Nous n'avons pas les mêmes convictions. Et nous n'avons pas la
même pratique. C'est pour ça que quand vous faites tawaf autour de la Kaaba, comme ça symbolise l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous finissez vos 7 tours, vous faites 2 raka'a au niveau de Maqam Ibrahim. Et ces 2 raka'a, qu'est-ce que tu récites? Dans la première raka'a, tu récites Qul Fatiha, Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Dans la deuxième raka'a, tu récites Fatiha et Qul Huwallahu Ahad. Bon, c'est un thème qui est très vaste. Donc, Qul Huwallahu Ahad, c'est au niveau de la conviction. Qul Ya Ayyuhal Kafirun, c'est au niveau de la pratique religieuse. Mais Ibn Arabi, il est allé jusqu'à dire que tout le monde est pareil. Wahdatul wujud, donc c'est un thème qui est... Peut-être un jour on y reviendra, parce qu'aujourd'hui j'ai promis de parler pendant 10 minutes. Si je rentre dans Wahdatul wujud, on ne pourra pas sortir. Mais on aura l'occasion de revenir sur ça. Mais je voulais tout simplement parler de Sidi Mohammed Ibn Arabi, Tazi Damrawi. C'est jeune. Tellement jeune par rapport à son âge. Est tellement sage par rapport à la baraka qu'il avait. La sagesse qu'il avait, on peut voir un vieux centenaire qui n'avait pas le millième de ce qu'il avait. Il n'avait pas 30 ans, il voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait plus que tout le monde, parce que c'est Allah qui l'a éduqué, qui lui a enseigné et qui lui a donné la science directement. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Alors, les mashayikh, les awliya, ils disent que pour atteindre un certain niveau, en matière de ma'rifatu billahi, dans le domaine de la haqiqatul muhammadiyya, au niveau des awliya, pour atteindre un certain niveau, il faut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit ton professeur. Il faut que tu aies accès direct, un accès direct sans intermédiaire. Bon, cet accès direct, il y en a qui l'ont eu une fois dans leur vie. Ils ont eu un accès direct, certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils l'ont eu une fois dans leur vie et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné la baraka. Il y en a qui ont eu cet accès direct, ils l'ont eu vers la fin de leur vie. Il y en a qui ont eu un accès périodique, c'est-à-dire cyclique, chaque année, chaque quelque chose comme ça. Mais avoir un accès direct en tout moment, en tout lieu, c'est ce qu'avait Sir Sidi Ahmed Tidjani. Accès direct en tout moment et en tout lieu. Mais ça aussi, c'est le khalif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui est ce qu'on appelle Qudbuzzaman, celui qui est le représentant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il a l'accès direct. C'est ce qu'avait dit Sidi Ali Tamassi, il avait dit qu'il y a certaines personnes qui ne font rien sans que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur dit, en tout cas qui leur donne son avis. Même pour se lever et prier, leur dit, ah, lève-toi, c'est l'heure pour aller prier. À plus forte raison de d'autres sujets, etc., etc. Donc, celui qui a un accès direct sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il apprend. Et forcément, il dépasse les autres qui n'ont pas cet accès. Ça se voit actuellement. Quand tu présentes un diplôme, on te dit tu as été dans quelle université. Il y a des universités qui ont la cote. Il y a des écoles, ce qu'on appelle les grandes écoles, etc., etc. Vous pouvez avoir le même diplôme, mais si vous n'avez pas fréquenté la même université ou la même grande école, celui qui recrute, il ne va pas donner le même avis à celui-ci, à celui-là. Etc. etc. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la grande école. Bon, on va s'arrêter là, inshallah. J'avais promis 10 minutes.
On aura l'occasion, Inch'Allah, de revenir là-dessus. Les quatre verbes, on ne comprend pas. Les quatre verbes, si on les développe, on va passer la nuit ici. Mais on aura l'occasion de revenir là-dessus, Inch'Allah. On aura l'occasion de revenir là-dessus, Inch'Allah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر حق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عدله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.